Figure de la littérature noire anglaise, Anthony Joseph est un poète, musicien, slammer. Pour le festival de jazz de la Villette, il présente un spectacle d'improvisation accompagné de son compère jamaïcain à la contrebasse. Funky, habité, Anthony Joseph est un créole de Trinidad. Aimé Césaire a été l'une de ses sources d'inspiration. C'est un état d'esprit. Il faut essayer de redéfinir ce que veut dire être noir et ce que voulait dire être africain dans le Nouveau Monde. Le définir à travers le langage. Anthony Joseph a donné 3 représentations ce week-end à l'atelier du plateau. À chaque fois, le public a été conquis par son discours et sa présence charismatique. Moi, je trouve ça fort. Il raconte ses liens avec son père. Parle de liberté, un slammer original qui a séduit les programmateurs du festival. Il n'est pas dans une démarche qui, de manière ostentatoire, serait exclusivement sur le registre de la danse ou de l'entertainment. Il est quand même, on a quelqu'un en face de soi qui a vraiment une stature d'artiste, d'auteur, une portée dans le discours, enfin. Voilà, donc il commence à s'imposer. Et Anthony Joseph continue à s'imposer. Après une tournée en France, un album réalisé avec Kezia Jones, il poursuit sa route.